Yo les Crantés qui sentent la merguez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Ghost of Tsushima pour le deuxième épisode en mode létal. Donc, dans le dernier, on avait fait la première partie du didacticiel. On était arrivé jusque devant le temple, avec je crois une 3 morts à peu près. Et là, bah, on va aller rentrer dedans et les exploser. Viens voir le Donc, Seigneur on chez peut les moi. confronter. Un petit affrontement en gros en 1v1. Et si on veut bien, après que t'aies gagné, genre ça te. Les autres autours ils auront peur. Regardez, là je me le fais. Et hop, là regardez, ils sont pas gagnés. Bon, ça dure pas longtemps. Quand tu dégages. Hop. Et hop, ça dégage. Voilà. Bah, l'entrée était assez simple. Tu as réussi. Ne prends pas cet air surpris. T'as vraiment cru que j'allais pas y arriver? Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Les Mongols avaient les mêmes armes à Komoda. Attends, comment on esquive déjà? Mais putain, mais j'ai oublié les touches! La dernière fois que j'ai joué, Pour votre plus grand bien, je vais juste vous faire une petite compilation de toutes mes morts pour que ça aille beaucoup plus vite. La dernière fois que j'ai joué, c'était il y a 3 jours. Où je peux esquiver? Le but. Faut les esquiver aussi. Laissez-moi tranquille. Ouais. Putain, mais ils sont trop chiants. Ils sont quand même assez Qu'est-ce que forts. C'est que ça? Je ne sais pas. Les Mongols avaient les armes à Komoda. Ok, nickel. Allez, parfait. En vrai, l'animation des cadavres, on va dire, elle est trop belle. Trop bien fait. Je suis pas un psychopathe, hein. Maintenant, c'est eux carrément qui viennent jusque-là. Ok. Bah non. Attention! Ne t'arrête pas! Pourquoi le jeu il est en retard? Oh, c'était beau. Eh, hey, tu tombes, hein. Oh, c'était beau. Moi, ouais, je kiffe ce que je vois. Mais toujours plus les flèches. Putain, mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il a fait tout à l'arc. On a rien on fait. On ne peut plus continuer. Je n'ai pas le choix. Mais bien sûr, on va y sauver le T'es tonton. Seul. Garde la voie libre. Nous devrons on va y sauver tonton. J'ai oublié son blaze. Je l'ai même pas lu son blaze. Je peux trouver des chevaux. Très bien. On en avait pas si déjà. Revenir, non, on les a déjà abattus. Toi dans la forêt. Et oui, j'ai enfin réussi à passer la première partie. Mais il y a une seconde partie là qui suit. Du coup, bah encore une compilation de mes morts, régalez-vous les gars. J'aime pas ce jeu. Et... En même temps... Tordou! Mais non! Non! Mais aussi, mais le gars il veut plus soigner. Il en a... J'ai pas regardé. J'suis trop con. J'en ai marre. Non, bah j'ai oublié de parer quoi. Allez. Soigne-toi, soigne-toi, soigne-toi. J'ai rien pour me soigner. Ok. Là, je me prends. Bah, en tout cas, en vrai, ça change rien. Je me prends un coup, je crève. Hop. Tu dégages. Allez, le dernier. Allez, c'est notre moment. C'est notre putain de moment. Oui. Et ça dégage. Et ça dégage. Voilà, moi je marche sur vos corps. Ok, on a enfin passé au bout de 15 minutes. C'est nickel, c'est nickel. Oh putain, il m'a fait peur. Mais, il m'a fait peur, mais c'est lui qui est mort. Hein. Voilà. Il y en a d'autres encore? Évitez les flèches avant de tirer leurs flèches et les archers crient à leur allié de se baisser. Ok, là du coup il a crié, je pense. Ouais, mais là, du coup. Ok. Hop, tu dégages. Non, en fait, c'est stylé. J'avais oublié le truc des flèches, mais c'est grave stylé. Ouais, nickel, on peut avancer. Et par contre, il criait Tocho Tocho, alors qu'il y avait plus que moi. Genre, son collègue, il était mort. Mais bon. Passons. Allez, wow, une petite concentration, encore une fois.
Ouais, c'est une... Tu dégages. Hop, tu dégages. Tu quoi? Dis-le, dis-le. Voilà, tu dégages. Ouais, 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 un par un. Nickel. Fais quatre queues. Ils font vraiment la queue. Allez, au prochain. Merci. Mais quand ça me fume, ils font vraiment ça. Allez. Désolé, monsieur de l'attente. Mais ça y est, on peut vous tuer. Enfin, je sais pas si c'est normal, mais ils ont vraiment fait la queue. Hein. Chacun de leur tour. Ouais, voilà, compte. Hein. Mais c'est tout. Mais j'ai tout fait. Pas par un. Je suis Jin Sakai. C'est vrai, je connais son prénom. Du seigneur Shimura. Effectivement. Je suis venu pour venger son honneur. Jin. Ils l'ont mis en pyjama et tout, ils l'ont mis bien. Il m'a raconté beaucoup de choses à ton sujet, Jin Sakai. En mode, ils ont discuté avec des petits biscuits. Brisé et humilié, implorant de rejoindre mon empire. Jin, non. Ton heure est venue, Seigneur Sakai. Eh bien non, il est là le problème, frérot, c'est que je vais gagner ce combat. C'est normal dans le script, t'es obligé de perdre, sauf si tu gagnes. Eh bien, t'es obligé de perdre, sauf si tu gagnes. Et ça, c'est bien. Oh bon, ok. Oh bon, ok, toujours plus. Ton oncle nous observe. Allez, c'est pas prêt, il vient. Ok, bon, j'ai rien pu faire, j'ai rien vu venir. Il est arrivé, mec, il a fait la toupie biblique devant moi. Non, t'es pas prêt. Hein. Montre à ton oncle comme il lui serait facile d'apporter la paix à votre île. La paix, mais mec, t'as tout détruit, y'a plus d'île. Oh le chien. En vrai c'est là où on se dit s'il avait mieux visé, peut-être que le jeu serait arrêté là. Peut-être que s'il avait donné plus de force, je sais pas, un vrai coup dans la gorge, peut-être que le jeu serait vraiment arrêté là. Mais non. J'ai juste cassé une petite cicatrice. Oui t'es échoué, t'es trop gaze. Ah là c'est le padré. Quand tu quittes. Que ta mort profite à tous les êtres. Oh. Non, les fleurs. Ouais, mais là, c'est trop tard, frérot. Mais comment il aurait pu l'aider? On m'a dit lui donner un sabre ou il a cru son gamin il allait se battre. Oh oui, on joue le gamin. J'arrive, Yuriko. L'île tout entière est venue pleurer votre père. L'île. Vous, renvoyer, vous devez. Oh la violence. Vous êtes maintenant le chef du clan Sakai. Oui. Vous n'êtes pas seul, Jin. Ah ouais. Votre père est le vent qui vous porte. Pas ce que c'est normal. En vrai, ça me dit quelque chose. Je crois que j'ai vraiment déjà essayé. Putain, j'ai pas dit chant. Il y a 5 mois, j'ai aussi essayé tout dans l'eau. Putain, l'île, elle est pas bien peuplée. Hein. Y'a que eux sur l'île. Non, bougez, je veux pas d'où. Y'a que eux sur l'île. Eh ben, une île vraiment. Je pense qu'on voit qu'ils sont tous armés. Genre tous.
Un vrai samouraï. Qu'est-ce que tu veux? Regarde mieux, voilà, je préfère. T'as une grosse calvitie. Bah. Ça pour un enfant de 10 ans. Et là, je crois que c'est le tonton. L'oncle. Bah, celui qui est en prison avec le gros. Et pourquoi c'est pas lui le chef? Tu mens. T'as rien fait. Tu pouvais rien faire. Tu es un samouraï. Il est mort. À cause de moi. Père est tombé au combat pour sauver son fils. Attends, mais j'ai une pensée. La sienne l'autre jour où il se battait avec son oncle dans les feuilles. Du coup, c'est après la mort. Donc, il y a vraiment des enfants dans son école qui sont venus l'harceler. Alors que le bourg, il est chef d'un grand clan. L'esprit de ton père Mais vas-y, on. se trouve dans ce Chacun ses délires. Là, c'est à moi la mort qui cherchait. Ouais, désolé pour ceux qui veulent regarder les cinématiques, je fais que parler. t'abandonnera jamais. Ah oui, c'est bien. Ah bah la cellule est pas bien. Dès demain, je t'accueillerai dans ma forteresse, mon cher neveu. Il le kidnappe là. Aujourd'hui, fais tes adieux à ton père. Ça va plus loin pour la prochaine fois les cinématiques. Allez, on dit au revoir au. Ah bah. Bon. Maintenant on est grand. Mais non, comme par hasard on a envie. T'as envie deux fois d'affilée qu'on prend de la mort quand même. Après on peut rester sur la plage, on sait, pas besoin de jouer au jeu. Peut-être qu'on dirait qu'il veut pas jouer. Même sur la plage on est bien gars. Et la meuf, elle va arriver avec son cheval. Ah, c'est vrai que lui, il communique avec le vent. J'avais zappé. J'avais zappé, excusez-moi. Sûr. Bah oui. Attends, je crois que c'était en train du style quand tu glisses ton doigt sur le pavé tactile. Ça fait du vent, non? Non, ok. Oh, il y a des... Comment on appelle ça? Des cerfs? Des évreuils? Oh, j'ai oublié. Regarde, un éléphant. Ah non, c'est des chevaux. Ouais. Donc, okay, je suis bigleux. Yona. Let's go, je suis encore vivant. Et comme par hasard, elle était juste à côté de moi. Jean, que s'est-il passé? J'ai trouvé une seigneur chez moi. J'aurais pu le sauver. Karen était là. J'ai abandonné mon oncle. Tu l'as pas abandonné, t'es mort. Tu es encore en vie. Ouais. J'ai juré de protéger cette île au péril de ma vie. Ah, c'est vrai. Mais les Mongols nous ont volé nos foyers. Ça aussi, c'est vrai. Et tué nos samouraïs. Ça aussi, c'est vrai. Tu as oublié ce que c'était que d'affronter plus fort que soi. Ça aussi, c'est vrai. D'être vulnérable. J'ai 5 ans. Parfois, j'en suis fier. Tu regardes la mort droit dans les yeux. Tu dois mettre tes scrupules de côté pour survivre. C'est vrai. Le Khan prépare une guerre contre les samouraïs. C'est vrai. Il anticipera le moindre de nos mouvements. C'est vrai. À moins que nous parvenions à le surprendre. Mais moi, ça m'a fait chier. Ainsi, nous sauverons le seigneur Shimura. Et cette île sera nôtre à nouveau. Let's go. Tu auras besoin de mon aide. Des cavaliers. Les chiens du Khan. Ils sont trop nombreux. Cache-toi. Dans Elles sont venues chercher son corps. On s'est coupé. Tu m'as pas vu, frérot. Ok, tu m'as peut-être vu. Y'a moyen, on négocie. Ouais, mais ils sont beaucoup là un peu. Vous avez été repérés. Bah oui.
En fait, j'étais en train de regarder autre chose pendant que la cinématique explosait et j'ai pas vu ce qu'il fallait faire. En fait, je crois qu'il fallait se mettre dans les plans, sinon. Ils sont trop nombreux. Cache-toi dans l'herbe. Oh putain, j'ai eu des chances, hein. Pile au moment. Quoi, non? J'ai juste dégainé mon sabre, mais ça m'a fait ça. Comment on dégaine son sabre sans que tout le monde. Il joue avec le feu. Celui-là, je teste mes touches, mon perso il saute. Sachez que je vous retrouvais. C'est le gars là, il commence à gueuler. Je vais vous avoir. Voilà, il y en a. Ah putain, toujours de lui parler à elle. Ces idiots ont fait peur aux chevaux. Ces montures de samouraï sont dressées pour revenir vers leur maître. Voilà. Revenez. Bah, c'était lequel le meilleur? Je crois que c'était bah, celui qui a celle bleue. Si. Par contre, on est bloqué. Ah. Les Mongols sont à ta recherche. Non, mais bah. Je vais les distraire. Bon, qui sont un petit peu à notre recherche. Je resterai avec toi tant que nous n'aurons pas sauvé mon frère. Non, pas. Je dois d'abord trouver d'autres alliés. De vrais guerriers. Comme Ishikawa Sensei et Dame Masako Adachi. Ils m'aideront. Mon frère t'aidera lui aussi. Si nous le sauvons, tu auras le meilleur forgeron de toute l'île dans ton camp. Il fabriquera tout ce qu'il te faudra pour sauver ton monde. Comme c'est bizarre. De quoi si c'est nous le refiler. Absolument. Tout ce qu'il te faut. Où le retiennent-ils? Ils l'ont enlevé près de Kechi. Vas-y et renseigne-toi, je t'y rejoindrai. Il ne tiendra pas longtemps dans une cage mongole. Yuna. Vraiment en train de dire, mon frère il est faible, fais vite s'il te plaît frérot. Et ton oncle? Ouais, j'ai parfait. Et je pense que c'est là que le didacticiel va se terminer. Et ça va nous dire, bienvenue sur le jeu. On va niquer. Bah oui, comment elle profite de nous. Mais on lui a donné une. On l'a sauvé. Enfin, elle nous a sauvé plutôt. Du coup, on va aller sauver son frérot. Voilà. Les cinématiques. Wow. On croirait que c'est vrai. Vas-y, on va jouer. Je vais piloter un cheval. Oh, il est beau le jeu. Oh, c'est de toute beauté. Oh, c'est beau. Oh, je suis bien. Oh, c'est beau. Et puis je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais au moins on pourra dire que c'est beau. Donc je crois. Bah voilà, on est sur l'île. Enfin, il y a, ça se sépare, je crois, le Japon en trois îles, si je ne me trompe pas. Enfin, si c'est bien le Japon au moins. Du coup, on est sur la première île. Voilà. On a nos petites quêtes. Alors, elle nous apprend l'assassinat. Et le Mongol à côté là. Enfin, ah ouais, non. En fait, je disais mongol pour l'insulte, mais du coup, ça marche pas. Il nous apprend l'archerie, ouais. Bah, je pense qu'on ira chez Ishikawa Sensei. Et puis après, chez elle. Donc, ce que je disais, ouais, c'est le Japon, si je ne me trompe pas, qui est séparé en trois parties. Et les trois, à chaque fois, elles sont plus fortes. Du coup, je dirais que toute cette partie-là, là, c'est la troisième. Ensuite, de là jusqu'à la petite bordure là, ça doit être la deuxième, et tout ce qui est en bas, ça doit être la première partie, donc sûrement la plus simple, c'est pour ça qu'on commence ici. Ok, bah stylé, et c'est le vent je crois qui nous mène, c'est vraiment stylé. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dans le prochain épisode, comme j'ai dit, on ira chercher voilà là, un arc là-bas, et puis bah, c'est à peu près tout. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, ciao et à la prochaine.